Il était enfermé depuis 8 jours. On n'arrive plus à sortir notre fils de l'hôpital. De nombreuses familles se trouvent complètement démunies puisqu'il n'y a pas assez de lieux de prise en charge adaptés. On a l'impression de vivre dans un milieu carcéral où tout est sous clé. Nous utilisons toujours des méthodes qui sont dites éducatives. On n'est pas meilleur que les autres, on est simplement un petit peu plus obstiné que les autres. Plus tôt on agira, plus on limitera la survenue de ces troubles du comportement qui peuvent augmenter le handicap déjà présent avec l'autisme.